Good morgen, allez, Yiden et Sus aujourd'hui le Lunishma, Chaya Esther, Bat Miriam, ainsi que les Rufuat Olivier, Israël Shimon, Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam, Bat Roselena, et Benjamin Ben Chabiba. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Rav Dalet, Mishnah Gimel, Mishnah Dalet, Mechatrin et Adlouin, Lifnei Abehema, Veta Nevela, Lifnei Aklavim, Rabbi Yehuda Omer, Im Lo Haita Nevela, Me'erev Shabbat, Asura, les fiches, Ena, Mina, Mouchan. Mishnah très courte, qui tourne autour du sujet de Moukse. Je commence par traduire toutes les Mishnah pour qu'on explique. Mechatrin et Adloin, les fnei à Behema. On a le droit de couper les courges, ou les courgettes, les courges, devant les animaux. Veta nevela, les fnei un clavi, mais aussi un cadavre, une vache qui est morte pendant Shabbat. On a le droit de la couper devant les chiens, à manger. Tandis que Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit non. Im lo haita nevela, mais erev Shabbat asura le fichena min amuchan. Rabbi Yehuda nous dit, si elle n'était pas déjà un cadavre avant le Shabbat, alors ce sera interdit de la toucher pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que le fichena min amuchan. Parce que ce n'est pas quelque chose de préparé, prédisposé à cela. Et je commence à expliquer l'essentiel de la Mishnah, puis on va rentrer dans les détails. L'essentiel de la Mishnah, ça tourne autour du sujet de Mouktse. En fait, le premier avis de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. On les connaît déjà, ceux qui ont fait la Gemara dans Shabbat. On le rencontre fréquemment, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y a Moukhtse ou il n'y a pas Moukhtse pendant Shabbat? C'est un sujet assez vaste. Concrètement, selon le principe, il est comme ça. Quelque chose qui est prédestiné aux hommes, alors, qu'il n'est pas prédestiné pour les animaux. Un aliment de bonne qualité, alors il est censé être mangé par les hommes, il n'est pas prévu pour qu'on le donne à manger aux animaux. Si toutefois il se détériore pendant Shabbat, et que je ne peux plus maintenant, moi, le manger pour les hommes. Alors, est-ce que je pourrais le donner à manger aux animaux, ou pas? Ça touche au sujet de Moukhtse. Rabbi Yehuda interdit de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, écoute, cet aliment-là, il n'était pas prédestiné pour les animaux, donc il est Moukhtse. Il exclut dans ta tête de l'utiliser à donner à manger aux animaux. Selon ce principe, une vache, un mouton, ce que vous voulez, du menu bétail qui est prédestiné à la nourriture pour hommes. Alors, s'il devient cadavre pendant Shabbat, Rabbi Yehuda va nous dire, mais écoute, tu ne pourras plus le donner à manger aux animaux. Tu ne pourras pas le donner à manger aux animaux, pourquoi? Parce que tu l'avais pas prêt. Avant Shabbat, il n'était pas prévu pour les animaux. D'accord? Il fallait nécessairement que ce soit une nevela, hein, un cadavre, depuis avant Shabbat, que dans ce cas-là, depuis avant Shabbat, tu as déjà vu que tu n'allais plus le manger, donc c'est devenu pour les animaux. Sur ça, Rabbi Shimon discute et nous dit, non, c'est permis. Selon ce principe maintenant, c'est le même principe qu'il y a dans la première partie de la Mishnah, à propos des dloïm, des courgettes. On parle en fait des courges ou de courgettes, qui sont, comme il nous dit le Barthénora, des staman lav le ma'achal be'ema kaimé, la adam. Ce sont des légumes qui sont prédestinés pour les hommes, mais pas pour les animaux, malgré tout. Je ne sais pas pourquoi, soit parce qu'ils ont un peu commencé à tourner, ou soit parce que finalement j'avais rien d'autre à leur donner à manger, j'ai le droit de donner à manger aux animaux, ces mêmes dloïm, d'accord? Ça, c'est pour l'essentiel de la Mishnah, la grande marloquette qu'il y a en fait entre Rabbi Yehuda et le Tanakama qui est Rabbi Shimon. Maintenant, à part ça, quelques petites précisions. Toutefois, couper d'un cadavre d'animal, vous imaginez combien il faut transpirer et combien il faut retrousser les manches et travailler dur, ce n'est permis pendant Shabbat que si on n'a pas le choix, parce que le chien ne peut pas manger autrement. Sur ça, la Gemara propose soit qu'on parle de que c'était un cadavre de pile, d'éléphant, la viande très dure à manger, ou bien ce soit, ça c'est des petits chiens encore, tout, des petits gourets clavim, je sais pas comment on dit ça en français, des petits chiots, et d'accord, et qui savent pas manger la viande dure, de ce fait, dans ce cas-là, la Torah, la Mishnah, elle nous a dit, ben, dans ce cas-là, c'est nécessaire pour leur donner à manger, t'as le droit de te fatiguer et de leur couper en petits morceaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.